Gaston Assens, qu'est-ce que la somatide? La somatide est une particule élémentaire vivante. C'est un élément indispensable à la vie. Nous la retrouvons aussi bien dans le domaine végétal que dans le domaine animal. Sans elle, il n'y a pas de division cellulaire. Elle a un polymorphisme. Nous avons pu la mettre en culture et c'est là que nous avons observé son polymorphisme. En deux cycles. Et il y a d'abord un microcycle au cours de laquelle est élaborée une hormone de prolifération qui permet la division cellulaire. Ce cycle est stoppé par les inhibiteurs sanguins et au cours de certaines maladies dégénératives ou autres, ce microcycle en trois phases continue pour un cycle en 16 phases. Tout ceci, nous allons vous le démontrer sous peu. Mais pour répondre à votre question, la somatide est un élément indispensable à la vie. Et à quelle époque remontent vos observations? Dès 1949, lorsque je travaillais en hématologie, j'avais le sentiment de ne pas voir tout ce qu'il y avait dans le sang. Je voyais quelque chose bouger, mais je ne savais pas ce que c'était. Avec les moyens optiques dont je disposais, ça ne marchait pas. J'ai donc essayé de faire mieux, d'approfondir un peu ce qu'on pouvait voir. Je me suis penché d'abord sur la question optique. Je suis allé en Allemagne, j'ai travaillé avec des artisans allemands qui m'ont aidé grandement dans ce sens-là. Et ensuite, il s'est posé un dilemme. Nous avions une possibilité de travailler soit sur l'ouverture numérique des objectifs, soit sur la longueur d'onde de la lumière. L'ouverture numérique, toutes les grandes compagnies d'optique du monde travaillaient là-dessus, donc je ne pouvais rien faire. Je me suis donc penché sur la question longueur d'onde de la lumière. Et c'est là où j'ai mis au point un système qui a donné des résultats très intéressants, qui m'a permis d'élaborer un microscope qui nous permet de voir cette fameuse particule, un petit peu à la fois, je suis arrivé à l'observer, et je l'ai extraite du sang, j'ai pu l'isoler et la mettre en culture, et c'est là où j'ai établi son polymorphisme. Alors, qu'entendez-vous par orthobiologie somatidienne? L'étymologie même du mot orthobiologie nous indique qu'il s'agit d'une biologie adaptée, ajustée à la théorie somatidienne. Il est impossible de comprendre l'orthobiologie si on ne comprend pas la théorie somatidienne. Or, pour comprendre la théorie somatidienne, il faut avoir les moyens d'observation et il faut surtout comprendre le principe fondamental du somatoscope. Tout le monde connaît le microscope électronique. Tout le monde connaît les possibilités du microscope électronique qui vont au-delà de 400 000 grossissements avec une résolution de 50 angstroms. Le microscope électronique permet de travailler sur des tissus morts, des tissus fixés. Alors qu'avec ce microscope, le somatoscope, je peux voir les cellules vivantes, en suivre leur développement, leur polymorphisme. Je pense que là, c'est un lien entre les microscopes optiques normaux et le microscope électronique. Je pense que c'est un trou qui est comblé par ce somatoscope. Sans lui, la théorie somatidienne est très difficile à concevoir. Il y a de nombreux précurseurs qui ont travaillé dans ce sens, mais ont vu des choses de différentes manières. Surtout, ils ont travaillé sur la chimie. Ils ont travaillé également en optique, mais il y a eu des phénomènes assez extraordinaires. Il y en a un que l'on a appelé le fou du midi,
Il s'agissait, je pense, d'Émile Doyen en 1911. Cet homme-là a déclaré qu'il voyait des particules vivantes dans le plasma, mais qu'il les voyait seulement au mois de mai, juin ou juillet, à l'heure des midis. Il les voyait bouger. Alors on l'a traité de fou du midi. Mais cette histoire-là prend toute sa valeur quand on pense qu'à ce moment-là, les rayons sont au zénith et qu'ils sont très chargés en ultraviolet. L'ultraviolet étant beaucoup plus court, les longueurs d'onde étant beaucoup plus courtes, il pouvait voir à l'époque ce qu'on ne voyait pas à d'autres moments. C'était un petit peu le même principe, si vous voulez. Au lieu d'employer la lumière du jour à midi au mois de mai ou de juin, par des moyens électroniques, grâce à des rayons ultraviolets, grâce à toutes sortes de mécanismes, je peux avoir la même chose. J'ai diminué la longueur d'onde de la lumière, ce qui me permet de diminuer, d'augmenter la résolution, donc de voir des particules que personne ne peut voir actuellement. Le principe sous-jacent de cet appareil réside dans l'augmentation de la fréquence lumineuse. Deux sources lumineuses, l'une incandescente, d'une longueur d'onde de 3300 angstroms, l'autre ultraviolette, de 1850 angstroms, entrent en battement et produisent une troisième longueur d'onde. Cette onde passe à travers un filtre monochromatique qui produit une raie. Cette raie est soumise à un champ magnétique, l'effet Zeeman, qui la divise en raies parallèles. L'une de ces raies parallèles est traitée par une cellule de Kerr qui en augmente la fréquence. C'est cette source lumineuse, invisible à l'œil nu, qui analyse l'échantillon à étudier. Depuis plus d'un siècle, la manière traditionnelle d'examiner le sang consiste à l'étaler sur l'âme, le fixer et le colorer afin de déterminer les affinités tinctoriales des éléments figurés. À gauche, nous voyons une image de sang préparée suivant cette méthode. Nous pouvons y identifier des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes. Il s'agit d'un sang mort. À droite, nous voyons une image somatoscopique du sang. Il s'agit d'un sang vivant, examiné dans les 10 minutes suivant le prélèvement. Nous y voyons les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et les somatides, ce que l'on ne peut pas voir sur les lames fixées. Nous pouvons y voir également des inclusions intracellulaires lorsqu'il y en a, ainsi que les formes évoluées du cycle de la somatide lorsqu'elles sont présentes. Vous nous avez dit que d'autres chercheurs avaient vu cette particule élémentaire. Pourriez-vous élaborer? Dès 1840, de nombreux chercheurs avaient signalé la présence de petites particules mobiles à l'intérieur des cellules. Ce n'est d'ailleurs qu'en 1968 qu'Antoine Béchamp a signalé la présence de ces particules dans le plasma. Cette particule, il l'a appelée microzima. Par la suite, de nombreux auteurs l'ont signalé. De 1840 à 1900, je pense qu'il y a plus de 10 auteurs qui ont fait des publications à ce sujet. De 1900 jusqu'à maintenant, plus de 50, je suis bien au-delà de la vérité en disant 50 chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet. Donc en 1868, Antoine Béchamp a fait cette relation. Ensuite, nous avons eu Vilquez en France. Nous avons eu, en 1944-48, il y a eu le professeur von Bremer en Allemagne. Nous avons eu Nello Mori en Italie. En France, il y a eu le professeur Vilquez, le docteur Paclet, enfin une quantité d'autres qui ont vu la même chose. Seulement, ils voyaient une bactérie. Et ils ont travaillé autour de cette bactérie, dans les cas de cancer en particulier. Mais ils ont toujours cultivé la bactérie. Alors que, pour moi, la bactérie existe réellement, mais ça n'est qu'un des stades d'un polymorphisme complet, et grâce justement au somatoscope, j'ai pu voir l'origine de cette bactérie, qui est pour moi la somatide,
qui possède un polymorphisme complet et qui est à l'origine de la vie. C'est cette particule qui est à l'origine de la vie. Il y a les cycles de la somatide qui se composent tout d'abord d'un microcycle formé de la somatide, de la spore et de la double spore. Ce microcycle est indispensable à la division cellulaire. Viennent ensuite les formes bactériennes qui comportent également la double bactérie le bâtonnet la forme bactérienne à double spore la forme bactérienne à double spore granulé. Viennent ensuite les formes mycobactériennes, puis les formes mycobactériennes à bulles, qui éclatent pour libérer dans le milieu des formes levures. Ces formes levures, par maturation, deviennent des ascospores qui elles-mêmes filamentent pour former un thalle filamenteux. C'est le premier pas de la forme mycélienne. Cette forme mycélienne se développe et forme par maturation un thalle filamenteux dans lequel on peut très bien voir le cytoplasme. Ce thalle filamenteux éclate ensuite pour libérer dans le milieu tout un chargement de nouvelles somatides. Reste ensuite un thalle fibreux qui constitue un déchet. Ainsi, le microcycle correspond au cycle normal de la somatide, alors que le grand cycle correspond à diverses pathologies. Cette image représente du sang frais, non fixé, non coloré. Nous pouvons observer ici des somatides, une spore, une double spore. Les somatides, qui sont en grand nombre chez les sujets sains, ont pour particularité d'être indestructibles. En effet, elles peuvent aussi bien résister aux acides qu'aux bases et peuvent même être carbonisées. Ce polymorphisme, somatide, spore et double spore, permet l'élaboration des hormones de croissance nécessaires aux divisions cellulaires. La quatrième phase du cycle correspond au début du grand cycle. Nous apercevons ici une forme bactérienne engendrée par les microcycles précédents lorsque les inhibiteurs ont diminué. C'est cette forme de bactérie endogène qui a été observée par de nombreux chercheurs, dont von Brimmer en Allemagne fut l'un des pionniers. Cette double bactérie issue de la forme bactérienne précédente est souvent observée dans les prélèvements sanguins. Elle présente la particularité de se diviser par sissiparité pour former des bâtonnets. La forme bâtonnet ressemble à la forme bactérienne, mais elle est plus longue et son cytoplasme paraît vide.
Il faut remarquer que cette forme bactérienne pose